ici Treufy et re-bienvenue pour cette aventure spatiale qui j'espère vous plaît. Moi, cet écran me fait bander. Cette fois j'espère qu'on gérera un peu mieux notre, je ne sais pas, carburant. En tout cas je suis prêt à commencer une nouvelle partie comme je suis mort lamentablement après avoir... Oui c'est bon, on a compris, on connaît. Joue. Comme je disais la dernière fois, on a rencontré un poulpe Doritos et ça prend, on avait plus de carburant. On lui a fait un signe de peace, genre hey, on se check, on s'appelle. Puis voilà, on a cassé du sucre sur son dos, il était pas... C'était un gros poulpe de l'espace en forme de pyramide, qu'est-ce que je te dise. Mais après, on s'est explosé sur une planète. Même pas, on avait plus de carburant et on s'est laissé dériver dans l'espace, donc il y a un Treufy sauvage dans l'espace qui est en train de voler quelque part. On va dire que c'est la suite. D'ailleurs je me réveille, je suis genre, qu'est-ce qui se passe, je suis chaud. Vas-y, je vais à la naine jaune, là, j'y vais. J'adore mes têtes. Ah, oh, c'est aléatoire parce que c'est même pas les mêmes choses. Je me demande si je recroisais mon ami de poulpe. Jour 9. Sur la surface d'une petite lune de cendre orbitant autour de l'étoile, je discerne une sorte d'amphithéâtre ou d'arène creusée dans les roches. L'ambiance est lugubre. Eh, je vais leur casser la gueule, moi. Explorer. Je fais le voyage jusque vers la lune, il n'y a rien si on descendre. L'amphithéâtre titanesque est gravé d'une étrange fresque. J'y vois un peuple humanoïde sur une planète et un immense oiseau manger leur soleil. Ah ouais, ils font ça les oiseaux maintenant. Putain, Hitchcock avait raison. Le peuple s'enfouit dans des vaisseaux. Je vois au sein des vaisseaux des cubes. Mais ils ont quoi avec les cubes ici, quoi? Minecraft, il fait chier là, hein? Je vois les humanoïdes se battre entre eux pour les cubes. Ils marchent sur des Legos et ils ont mal. Et ils sont dans les vaisseaux. Puis j'en vois piller des planètes peuplées d'aliens étranges, très mystérieux. Ah, j'ai perdu le carburant, mais j'ai appris un nouveau mot. Ça veut dire la vie. Donc quand tu veux dire épargne-moi la vie, t'es épargne-moi la. Et un nouveau mot, Aldema, c'est moi. Aldema. Ok, bon bah on va aller voir ce qu'il y a sur la planète rocheuse. Bon coucou. T'es assez jolie toi. T'es belle. T'es très jolie. T'es jolie. Je vais confirmer l'atterrissage. Ouh, je vais forer ici. On va forer. Ouh. Je vais me retrouver dans la même situation où j'aurai plus de carburant. Je vais être comme un connard, tu vas voir. Mais, voilà. Termine. Et on se barre. On décolle. Ouais, on décolle. Ah, attends, je veux juste essayer de reforer. D'accord? D'accord. Parce qu'en fait, je veux essayer de voir simplement... si je peux ravoir de l'hydrogène, mais j'ai pas l'impression que ici ce soit une bonne idée, donc on va décoller. Voilà, non, on se barre d'ici. On va aller sur l'autre planète, voir. Mise en orbite risquée, notre coque va en prendre un coup, mais je pense que c'est riche en carburant, donc on y va. On va lancer des sondes. On lance des sondes à fond, on est chaud. Ok. Même ma foreuse, elle en a pris un coup, je parie. Vas-y, prends ce que tu peux, mec. Ah, il me reste 5. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, c'est bon, regarde, je suis chaud. Comment je suis chaud? Terminé. Et vas-y, que je vais dans mon vaisseau. Parce qu'on est chaud. Cacao. Oh, dans l'espace aussi chaud. Je me prépare un cacao. Tout le monde, il est beau. Même les poulpes taco, Dorito. Oh, oh. on va arrêter notre connerie. On va mettre du carburant dans cette merde. Full carburant! Je ne me ferai plus baiser comme la dernière fois. Ok. Bah écoute, on se barre. Non, on va reprendre une sonde. Vas-y. Cette planète n'a plus de ressources à m'offrir. Mais quand je l'ai souillée la planète, quoi. J'ai tout pris. Y'a plus rien. Ah, plus rien. Ah, c'est quoi? Riche en carburant aussi, mais la coque... Ouais, la coque, c'est pas terrible. Ah, tu sais quoi, je suis un siphonneur de l'espace, je vais quand même tenter. Alerte! Ce sera la dernière entrée. Mais quoi? Ah, ok. Je suis mort comme une grosse shit, quoi. Ma coque se fissure. Non, pas ma coque, c'est précieux. Coco. Et tout le vaisseau est dépressurisé. Je suis en train de revêtir une combinaison spatiale qui m'offrira quelques minutes de répit, mais c'est la fin. Adieu. Puissent mes frères humains trouver mon journal, le témoignage d'un des leurs qui aura lutté jusqu'au bout. Ah, c'est con pour aller sur le soleil en mode j'y vais, je suis chaud. Cet homme qui voulait trop bronzer. Oh putain. Y'a que Treufy pour faire de la merde comme ça. Ah, l'homme capote. Il aura subi toutes les ignomnies. Je vais jamais arriver jusqu'à cette étoile, je vous le dis, moi. Mais je trouve ça stylé, moi. Le seul connard de l'espace à les naines jaunes. Putain, les naines jaunes, elles me... Wouah, Oh, c'est parti, hyperespace. Oh, arrivé. Ah. J'ai lu un truc qui était drôle. 99 racks d'extraterrestres et aucune ne ressemble à une jolie fille. Va te faire voir, Captain Kirk. Ah, ils ont de l'humour en plus, c'est génial. C'est ça, ouais, va te faire voir, Captain Kirk. Qu'est-ce que ça propose, ça? Du métal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a des améliorations, j'imagine, non? Il doit y avoir de ce genre de truc, ouais. Ouais. Et il y a forcément un système d'amélioration quelque part. Bon, cette fois, on est chaud, mais pas trop. Parce que si on va vers le soleil et tout, on va juste faire... Hey, ce qu'on fait d'habitude, la planète sympa, là, vas-y. Et comment il dit ça? Il a vu plein d'extraterrestres et ça se passe comment? Ils font genre coucou, au revoir? Pourquoi il n'y a pas de jolie fille? Après, on a des standards assez spéciaux, quoi. Faut dire. On est des singes. Ah, c'est encore la planète de glace à la con, là. Il n'y avait rien, là. Si? Ah, si, il y a quand même du HF, là. C'est du haut-fait, ça. Ça me plaît, ça. Vas-y, Fort un petit coup, peut-être encore? Ouais, ok, c'est pas mal. Il me reste de l'hydrogène, donc je peux me barrer. Je me barre, vas-y. Décolle! Peu. Plus rien à m'offrir, cette merde. Celle-là, c'est la gazeuse, donc ça, c'est mise en orbite risquée, mais ça va aller. Donc, vas-y, lance tes sondes anales. Vas-y, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Voilà. Ça, c'est parfait. Encore, vas-y. C'est bien, ouais. Vas-y, bébé, donne-moi tout ce que t'as. Qu'est-ce que je fais? J'en prends encore? Putain, y a plus rien, quoi. C'est bon, je l'ai assez souillé, cette planète. De pouvoir mettre du carburant pour me barrer en mode YOLO. J'en mets le plus possible, hein, on sait jamais. Et cette fois, je vais pas vers le soleil. Parce que ça craint un peu, quand même. J'ai l'impression. Ouais, on se barre. Vas-y, va vers là. Engine. Oh, hyperespace! Ça fait de gros nichons. Je vole autour d'une étrange structure de roche et de métal. Elle est percée... On dirait une aventure dont tu es le héros, en fait. C'est assez cool. Je viens de tilter. Elle est percée de nombreux trous par lesquels des vaisseaux entiers peuvent entrer. Je me pose la question de savoir quoi faire. Mais rapidement, je n'ai plus le choix. Une force me tire à l'intérieur. C'est comme un vagin intergalactique qui m'aspire. Il m'attire, je ne peux rien faire. Mon vaisseau paralysé est guidé le long d'une mystérieuse lumière bleue. Je me retrouve au centre de la structure. Mélange bizarre de cristal et de technologie. De cristal, méthamphétamine. Je peux sortir par 4 tunnels. Marqués d'un 0, d'un 1, d'un 2 et d'un 3. Lequel prendre? Trop fidèle, guidez-moi, le 2. Le tunnel brille d'une étrange façon. Quand je ressors de la structure, celle-ci a disparu. Mais je ne suis plus dans le même système solaire. C'est une sorte de gare interstellaire. Ouais, comme à Poudlard, quoi. Tu t'es pris un mur. De te transporter ailleurs. Out there. Oh, ailleurs. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Bordel. Où est-ce que... Ah, genre passer par cette station spatiale de merde. Vas-y, touche ton cube. Vas-y, touche le cube, j'ai dit. Merde, je peux rien faire en fait. Ah, d'accord. Ah, je reviens là. Oh, l'enculé. Punaise, c'est loin. Faites qu'il y ait du carburant. Encore une naine jaune. Il y a que des naines jaunes ici. C'est raciste ou quoi? C'est c'est le coin... C'est Chinatown de l'espace en fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je dois repasser par là. Ah, ça saoule. Bah, je vais aller... Ah merde, j'aurais dû faire ma deuxième en fait. Parce que là, j'ai tout souillé, déjà. J'aurais dû aller là. Ouais, écoute, je vais là parce que je suis sur un lancé. Vas-y, Captain Kirk. La bordure de ce système est constituée de grands nuages gazeux qui se dressent et obscurcissent l'espace interstellaire. Ils semblent se mouvoir, c'est très étrange. D'une certaine façon, je sens que ça va encore être ma fin, mais je suis trop curieux. Ok. Quand je vois, c'est la fin de mon journal. Je sais que c'est fini, mais là, c'est ok, donc ça veut dire que tout va bien. Je navigue entre les immenses flux de nuages cosmiques. Ils sont verts, pourpres et rouges, étincelants, magnifiques. Mais ils bougent. Des silhouettes pourvues de bras qui s'agrippent aux dizaines de planètes retenues ici et semblent s'avancer vers moi. Ça a l'air assez flippant. J'ouvre mon écope pour récupérer le précieux gaz à fort rendement de carburant. Mais un bras, grand comme la lune et ma bite, me passe au-dessus à une vitesse folle. Oh! Je fais demi-tour au plus vite. Et un autre bras me frôle. Cette fois-ci, le choc est de plein fouet. Même si le gaz n'est pas trop dense, il m'envoie tournoyer dans les sens plus proches de l'étoile. Quelle aventure en mode Disneyland! You spin me right round. Oh putain, il a pris cher mon vaisseau. Ma coque! Oh, des jolies planètes. Mais on va voir ce que ça dit, ça. Atmosphère respirable. Oh, je suis chaud, plein de jardin. Jardin d'Éden, Amazon, vas-y. Fais-moi kiffer. J'atterris. L'atmosphère respirable de cette planète m'a permis de remplir mes réserves d'oxygène. Free oxygène pour tous. Hello. Et des civilisations. Rencontrer la vie. D'abord, je vais forer parce qu'on sait pas. Attends, on sait pas. Hein. Si c'est des connards et que t'as pas pu forer, t'es obligé de te barrer en vitesse, vaut mieux le faire maintenant. Oh, il y a du cul. Il y a du cul ici, les mecs. Il y a du cul. Ah non. Il me manque du cul. Je vais démonter un de mes trucs pour faire de la place. Ouais. Je leur montrerai après ça. Vas-y. C'est risqué mais c'est pas grave. Regarde ton vaisseau vite fait ce que tu peux en faire. Carburant. Ah, j'ai plus rien en carburant, t'es sérieux? Ouais, il faut que je répare ma coque alors. Pour les futurs. Surtout sur un pays où je vais rencontrer de la vie, il me faut de la coque. C'est obligé. Et je vais reconstruire mon machin là. Ah, je peux... Ah, mon module de cryogénisation, je peux le refaire aussi. Ouais, je vais garder ma propulsion interstellaire. On sait jamais. Et je vais rencontrer de la vie. En mode, hey, monsieur Spock, comme avec le poulpe. Vas-y. Bah, elle est où la vie? Je veux rencontrer de la vie, moi. Bah, j'ai pas pu rencontrer la vie. C'est quoi ce délire? Ah, je repars pas sans des réserves, moi. Ah, vas-y, redonne-moi du cul. Vas-y, démonte ça. Vas-y. Ah, maintenant j'ai un pété. Comment ça me saouler tout ça? Foreuse, vas-y, démonte. Voilà. Rends-moi du cul. Ah, j'ai... Bon, tant pis, on se barre. J'ai trop démonté de trucs dans mon vaisseau. Dire que j'ai raté l'opportunité de... Voilà, de rencontrer de la vie. Riche en carburant, ça c'est bon, ça. Ça, on veut du carburant. Envoie tes sondes, mec. Envoie ta grosse sonde. Ah oui, j'ai plus de sonde, c'est vrai. Quel con. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Vas-y, mets de l'oxygène. Ouais, c'est bon. Je suis full oxygène. Je suis chaud, là. Allez, full coque aussi. Pff. Ah merde! J'ai plus de fées! Et il y en avait besoin pour la foreuse! Putain, je me sens con. Je vais mourir comme une merde, tu vas voir. Bon, je vais devoir retourner là, dans cette planète jardin de mes deux qui m'aura fait chier jusqu'au bout. Pour... Oui, c'est bon, j'ai compris. Pour forêt. Mais comme j'ai plus de fées... Oh, quel con! Vas-y, télescope. Voilà, hop. Vas-y. Nickel. Vas-y, là, j'ai du fée. J'ai du fée. Ça devrait être chaud. Vas-y. Vas-y, la foreuse, c'est mon dernier recours, de toute façon. C'est parti. Vas-y, fort. Mais qu'est-ce que je te dis? J'ai que ça à foutre. Tu forts à fond, mec. Tu prends tout ce que tu peux. Ah, une couche un peu dure à casser quelque chose. Putain, même mon forage est caché. Est cassé. Je vais devoir le réparer, j'aurai pas ce qu'il faut. Ils sont sérieux. En plus, j'ai plein de trucs inutiles maintenant. Je suis tellement nul pour gérer mon vaisseau. Ah putain. Ah, j'ai plus de propulsion, en plus je suis bien. Ah voilà, c'est la mort, eh, vas-y. C'est la mort, j'abandonne. Je vais devoir recommencer. Vas-y, décolle. Mais je peux même plus décoller. Vas-y, démonte ta merde. Tu peux pas mettre... Eh, moi je mets du Sissi dans le H. Peut-être du HE. Il veut pas du HE. C'est quoi le HE? HE. Sous HE. Ah bah c'est bon, je suis mort, il faut que je recommence. J'abandonne. Allez. Voilà. Donc ouais, j'avais pas intégré cette donnée, là maintenant je le sais. Donc je ferai un peu moins YOLO. On va partir sur ce côté-là, ouais. Oh regarde, il y a des grosses étoiles. Vas-y, Sissi Nenjon. Eh, poussière interstellaire! Et je reviens. Ouais. Oh, wow, wow, wow. Jour 9. On dirait une capsule. Une capsule grande comme une soute de vaisseau. Un cylindre qui tournoie autour de l'étoile dans une orbite lointaine et excentrée. Comme une comète. Je la capture avec une sonde et je sors dans l'espace l'étudier. Bon, c'est verrouillé et blindé. Un coffre-fort de l'espace. Je vais être riche! Dans l'espace. La technologie semble très avancée et je pense qu'avec mon fer à souder maison, je n'en viendrai pas à bout. Ce serait surprenant. Il y a sur le devant des boutons représentant toutes les formes géométriques connues. Cercle, étoile, anneau, carré, une combinaison. Mais c'est une PlayStation, mec. Vas-y, appuie sur... Ouais. L'étoile et le carré. Non, hein. Allez. J'appuie, rien ne se passe. J'essaie autre chose, pas de résultat. Soit le mécanisme est cassé, soit quelque chose m'échappe. Je laisse l'objet dériver dans l'espace avec son mystère. Tant pis. Oh, je l'aurais pris avec moi, t'es fou, toi. Ok. Qu'est-ce que ça dit, ça? Planète rocheuse. Riche en métal. Ça... On va déjà là au carburant. C'est le plus important. D'abord le carburant. On va sonder cette beauté. Vas-y, donne-moi tout ce que t'as, bébé. Catastrophe! Une augmentation soudaine d'une pression a détruit mon dispositif de sonde. Eh ben, bien secoué. Je vais devoir tout réparer et sonder aussi profondément et risquer. Mais non, c'est pas risqué. Houston, ma grosse forêt s'est fait défoncer. Ah, mais regarde tout le carburant, mec. Regarde tout le carburant. Ça valait le coup. Dis-moi que ça valait le coup. Ça valait complètement le coup. Je suis full carburant. Terminé. On se barre. Vas-y, est-ce que je peux remettre une petite sonde, un petit coup? Non, je l'ai violé la planète. C'est bon. Vas-y, va là-dessus maintenant. T'es chaud, atterri, signe de vie, YOLO, y'a quelqu'un, y'a personne. Vas-y, force ça, bébé. Oh ouais, bébé. Oh ouais, bébé. Non, ça, largue-le. C'est larguer, c'est... Ouais. Dégage le silicium. Voilà, hop. Et on va terminer pour le session de forage et on va voir ce que je peux améliorer. Déjà, full. Comme ça. On va, ouais, faire un petit peu de coke. Voilà, ça c'est parfait. Et on va refourer un petit coup. Ouais, c'est bon, on va pas être trop gourmand, on va se barrer. Voilà, et on va surtout pas aller vers l'autre planète à la con. C'est parti. Nain John, Captain Kirk, c'est parti. Wow, hyperespace toujours. Voilà. J'ai rajeuni. Ouais, sérieux. J'ai touché l'alliage qui se trouve dans le plieur d'espace et ma main s'est nettoyée de toute trace de vieillissement. Comme si j'étais un jeune homme intouché par la vie. Oh, fontaine de jouvence. Oh, 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 oh. J'ai plus de pénis ridé. Eh ouais, j'ai plus de pénis ridé. Eh ouais, peut-être que les aliens, maintenant, voudront de mon pénis tout frais. Je ne sais pas. Ok, vas-y, planète rocheuse. Ah non, 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 il nous faut du gaz. Il nous faut du gaz. Envoie de sonde, Gérard. Ah, il manque... Ah oui, j'ai plus de sonde. J'ai plus de sonde. J'ai plus de sonde. Eh ben non. Vas-y, construis. C'est pas grave. Merde, je voulais pas faire ça, moi. Bah, c'est pas grave, j'ai du féfé. Vas-y, mets du féfé. Construis ta sonde. Voilà. Nickel. Nickel. Eh, comment je gère? T'es jaloux, là. Tu me jalouses. Je le sens. Non, attends. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, j'ai dit. Reste là. Reste calme. C'est très important que tu restes calme. Tu mets du HE. Mets du HE. Vas-y, et la pompe à essence, Automoto. Vas-y, Shell. Non, mais je veux juste déplacer ma merde. Je peux pas déplacer ma merde. On va fonder à fond pour le carburant. Un peu moins. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Pouf! Vas-y, c'est correct. C'est gentil, on va dire. Voilà. Envoie encore une sonde. Voilà. Voilà, là c'est gentil. On l'a pas trop souillé, on peut se barrer. Tu vois? Eh, prudence. Comme ça, nickel, voilà. Maintenant, tu vas voir tes cailloux. Vas-y. Bonjour les cailloux! Encore une planète fromage. En mode l'air d'ameur, je vais faire un malheur sur ta planète. Comme un bureau des cœurs. Attends, non, mais arrête de démonter tes merdes à chaque fois. Je pense à me casser le couille aussi. Coque. Non, on va laisser la coque pour l'instant. On va juste rajouter un peu de carburant parce que c'est important. Voilà. J'ai encore du HE et apparemment HE ça va aussi. Même s'il risque d'avoir des couilles dans le pâté si je fais ça. Ah non, ça c'est dangereux, on va pas y aller. Les grosses planètes comme ça, riches en carburant, ouais, c'est genre non, quand même. Ça va aller. Faut savoir mesurer les risques, les enfants. Grosse étoile, géante bleue. On n'en a pas vu encore, ça va être épique. Oh, c'est parti. Ouh, vers la géante bleue. Dans le cul, la chouffette. Boum. Wouh. Jour 27, j'ai croisé une bien curieuse comète. Elle était à l'arrêt sur une orbite large. Une vraie petite boule de glace qui attendait ma venue. Avec un peu de temps, j'ai pu faire le plein d'oxygène et d'eau. Ouais. Ah, c'est bienvenu ça. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Je fais du métal. Ya. Yeah. Vais-je prendre du métal? Je vais atterrir et découvrir des... Oh non, c'est encore la planète. Elle avait pas l'air de ça du tout. Pas l'air du tout. Vas-y, fort un petit peu là, ouais. Ah, là, c'est dangereux, mais fort quand même. Oh, il y a du TH. Il y a du TH ici. Il y a du féfé ici, c'est bon ça. On va démonter ça. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça m'a l'air assez tranquille. Ouais, vas-y, hop. Tranquille. Terminé. On se barre. On se barre. On se barre à Gibraltar. Elbeter. C'est parti. Allez. Riche en carburant. Encore une mise en orbite. Bon, tout est risqué de toute façon, donc autant y aller. Prendre du petit carburant là. Va être chaud. Vas-y. Ah non, attends, j'ai dit que t'atterrissais. On va mettre du HE pour voir. Wouh, ça marche bien le HE, ça marche encore mieux que le H, j'ai l'impression. Et de la coque. Et de la coque. Nickel! J'ai plus de coque maintenant. Y'a de quoi être triste. Je me demande à quoi ça sert le Sissi du coup. Parce que j'ai... Ah, j'ai plus ma semence de vie en plus, je suis deg! Ma semence de vie tellement précieuse. Ma précieuse semence. Non. Au pire, je peux le larguer. Ouais, je peux toujours larguer. Vas-y, tac ta sonde. Pff. Plein hydrogène. Je vais même en reprendre une deuxième, je vais larguer cette merde, vas-y. Largue. Largue du silicone. Largue des boobs dans l'espace, mec. Ah, tout ça pour ça. Voilà, je suis deg. C'est pas grave, vas-y. Remplis ton carburant. Une vraie pompe à essence, le mec, quoi, il siphonne tout. Sarti, on se barre. Je vais pas aller... je suis tenté, honnêtement, je suis trop tenté. Je suis trop tenté d'y aller. Mais je suis tellement bien parti que je serais deg. Et il faut que je la voie. Bah, ça servait à rien, en fait, parce que je peux rien faire. Mais c'est joli. Ok. Rappelle-moi de plus faire ça. On va aller là, de ce côté, Engine, ça a l'air pas mal aussi, ouais, vas-y. Hyperespace, encore une fois. La 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 la. Wow! Je 36, je me suis trompé d'un zéro dans la vitesse d'approche du système. Embêtant car j'ai dû compenser un peu plus fort avec mes réacteurs pour m'arrêter. Il faut que je me concentre, bah oui. C'est ta vie qui est en jeu mec quand même. T'es tout seul dans ton putain de vaisseau et t'arrives à te tromper. Ah j'ai perdu du carburant en plus, c'est stylé. Vas-y, riche en métal, on va s'amuser. Putain j'ai perdu beaucoup de carburant. Eh ce truc c'est du diesel quoi. Ou du sans-plomb, je sais pas moi. Il faut arrêter là. Ok, ok, vas-y, fort un petit peu plus. On s'en fout si tu la casses, vas-y. Oh non! Un reflux magmatique est remonté dans la foreuse et a fait fondre tout l'équipement. Je dois tout reconstruire, creuser. Ok, j'ai tout dans la merde, quoi. Ah, d'accord, ouais. Oh, plus en plus, j'ai encore du Sissi maintenant. J'ai du HF. J'ai du HF, c'est pas mal. Have fun, génial, ok. Vas-y, on prend du Sissi quand même, hein. Quand même, on n'est pas venu pour rien. Vas-y, reconstruis ton truc de merde. Voilà, on se barre. Tayo, Tayo, voilà. On va pas vers le gros soleil dégueulasse parce que non, non. Oh, ça a l'air super loin dit. C'est quoi le moins? Oh, trou noir. Ouais, ouais. Je sais pas si on devrait y aller, vraiment. Soit trou noir, soit une géante rouge. Oh, on l'a pas fait non plus. Allez, vas-y, trou noir, je suis chaud moi. Ouais, hyper espace dans le trou de la maman, de l'espace. Le Big Bang! Le Gang Bang Bing Bang! Wow! Amazing! The Dark God! C'est vrai, c'est super flippant, mais c'est très beau. Ah oui, toi, tu veux carrément aller dans le trou noir! Bah, c'est parti. Non, non, attends, non, allez, allez, si je suis obligé d'y aller. Je suis obligé, regarde! Jamais! C'est assez psychédélique, un trou noir. Je suis même pas aspiré et tout. Commandant Kirk, il est en train de pleurer, là. Il dit, il est trop stylé, ce mec. J'ai même pas assez de carburant, je crois. Attends, on va déjà... Les tableaux sont assez stylés, c'est très joli. Surtout celui-là, j'aime bien celui-là, il est tout violet et tout. Vas-y. C'est mes derniers carburants, il faut pas que je déconne, là, mec. Et l'oxygène, j'en ai plus, donc... Vas-y. Ah, bonjour. C'est un peu ça, non? Non? Ok. Ok, j'essaye d'être drôle, hein, si c'est pas drôle, vas-y. Moi, je vais vers géant bleu, là. Mon ami le schtroumpf. Et j'ai échappé un trou noir, je suis un fou, je suis un malade. Wouh! Jour 54, j'ai découpé dans une vieille combi un morceau de caoutchouc que j'ai taillé en balles. Elle rebondit dans tous les coins. Je m'invente des super figures et de nouveaux défis. Qu'ils aillent se faire voir avec leur jeu vidéo, j'ai une balle. Eh ouais, descendance africaine, mec. Tu le sais pas, la taille du truc qu'il y a dans le pantalon, mec. Anaconda. Le barracuda, mec. Ouais, elle est stylée celle-là, je vais aller la voir. Bonjour! Bonjour madame, j'atterris dans votre planète! Planète! Je suis arrivé trop tard! Un vaisseau alien s'enfonçait dans un lac de méthane. Désespéré, leur équipage a enclenché les moteurs, causant une explosion terrible qui a tout éparpillé sur des kilomètres. Ils sont cons. Aucun survivant, je trouve pourtant un composant inconnu à mes pieds. Voyons si je peux en faire quelque chose. Le chibre d'un alien. Voile gravitationnelle. Wouh, stylé! Stylé! Et vas-y, je fort en plus, je suis un fou moi. Mais pas trop, comme ça c'est bien. Voilà. J'ai encore du chichi, du susu, mais j'ai du féfé surtout. C'est le plus important, c'est le féfé. Tout le reste, on s'en fout en fait, parce que je peux pas en servir. Il manque un truc de stockage quand même, hein. Terminé. Houston, terminé, on décolle. On décolle d'ici, ça craint. On va sur la gazeuse, mec. Sur la gazeuse. Il y a toujours une petite gazeuse là pour se faire un plein. Envoie ta sonde. Et plein de haches pour moi. On va le démonter pour l'instant, j'ai assez de féfé pour le reconstruire, ça, ouais. Ok, on le démonte pour l'instant. Ouais, je le remonterai après, t'inquiète. Vas-y, hop, tac. Et je sais pas c'est quoi ça. Brûlant au cœur des étoiles, l'hélium, c'est un carburant. C'est ça l'hélium qui te fait parler comme ça? Oh, c'est bien ça, c'est pour... Oh. Non, t'es fou. Il est fou le mec. L'arc le féfé, il y en a pas. Non, c'est juste ce qu'il me faut. On regarde du si, ouais. Ouais, ça c'est... Non, voilà, on échange. Vas-y, tiens. Terminé. Vas-y. Ah, voilà. Qu'est-ce que je peux construire alors? Faut que je reconstruise. Oh. J'ai assez de TH pour faire le machin de merde là. Vas-y, dégage le silicium. Je veux voir ce que c'est. Ça sert à quoi? Les voiles gravitationnelles sont un mystérieux dispositif permettant de remonter les champs gravitationnels des corps célestes. Il permet, adjoint à une propulsion standard, d'en diminuer largement la consommation. Ah, c'est... Eh, carrément. Je prends ça direct. Je suis un fou, moi. Regarde comment je suis performant. Mon Sputnik de l'espace, là. Il nique les trous noirs. Un fou. Et je vais m'arrêter là, je pense, parce que sinon je vais faire un truc... je vais faire des conneries. Renvoie une sonde, on sait jamais. Oh, encore! Putain, mais j'arrête pas... Eh, j'ai du platine. Bombe platine, mec. Yar, mais j'ai tout cassé. J'ai encore tout cassé. On va reconstruire cette sonde, t'inquiète. Voilà. Non mais, ça va de me casser mes sondes. Et je récupère. Eh, c'était stylé ça, à vous c'était stylé. Cet enchaînement, tu l'as pas vu venir, moi non plus. Allez, on se casse. Dernière planète et après... Ah, il y a le choix. J'irais bien là-bas, moi. Long voyage et tout. Nenjon. Dernier voyage, Nenjon, puis après on remonte. Interespace, interstellaire, je me barre de cette planète. Wouh. Jour 63. Mon saut s'est mal passé. Je me suis foulé la cheville. Je suis passé à un cheveu de l'étoile. La surface d'une étoile n'est pas très chaude. Elle ne fait que 5000 degrés. Oh, c'est rien. Juste en dessous, ça monte tout de suite à 1 000 000 de degrés. Les rafales photoniques ont laissé de longues griffures sur le vaisseau. Heureusement que je filais presque aussi vite que les photons. Eh ben, dis donc. Du coup, ouais, c'est le bon mot. Oh, ma coque. Oh, ma coque. Ma coque, mec. Ma coque, mec. Ça va pas du tout, va, mec. Carburant, on va mettre un gros coup de soin quand il y en aura plus. Voilà. Fait péter. Et du féfé. Du féfé. Ouais. On va quand même tenter de... Voilà. C'est important de réparer. Et je vais forer. Je vais forer. Direct. Atterrissage et je fore. Oh! Bonjour. Y'a personne. Et j'ai lu un chef. J'ai lu un chef et j'ai lu féfé. Et on se barre. On se barre. Et Gibraltar encore une fois. Madagascar. On change de destination, on est des fous. Ah, j'ai bientôt plus d'oxygène, il faut que je me barre très vite. Non! Non! Je veux aller ailleurs. Plus haut. Ici. Mais je peux pas. Faudrait que je remonte tout par là. Peut-être en faisant le tour, je vais faire un détour et tout. Allez, une naine jaune encore. Peut-être qu'on va trouver des trucs stylés. À moins que je meure d'oxygène comme une sombre merde. Il y a un peu d'aléatoire dans tout ça, donc on sait pas. Jour 72. En plein voyage interstellaire, je rencontre une grosse masse grisâtre. Et je me suis dit, elle est moche. Encore des ennuis. Et en fait, c'était une grosse boule de glace. En la faisant fondre, j'ai récupéré de l'eau et de l'oxygène, ce qui a rempli toutes mes réserves. Marchand de glace interstellaire, je ne sais pas où tu es, mais je te remercie. Nickel. Nickel. Waouh, il y a plein de planètes, c'est... Waouh, il y a de la vie ici. Mais ce sera pour une prochaine partie. Eh ouais, le suspense. Eh, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Sauf si vous êtes Treufy. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un j'aime, mettez en favori, partagez la vidéo avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore, devenez un Treufy fidèle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Out There. Biou.